Et salut à tous les frérots, j'espère que vous allez tous très bien les mecs. Moi ça va nickel aujourd'hui les frères, nouvelle vidéo sur FIFA 22. On va parler du défi Coupe Brésil Footies. Donc je vais vous expliquer comment le faire, ce qu'il y a à la clé. Donc c'est écrit mais il y en a qui comprennent pas forcément. Donc voilà, je vois que sur YouTube ces genres de vidéos fait pas mal de vues. Donc je pense qu'ils sont assez utiles du coup. Donc je vais faire pareil pour ce défi là, Coupe Brésil Footies. Comment avoir les packs, les victoires, comment ça se passe, nanana, voilà. Comment gagner les récompenses. Donc du coup, on est parti pour le premier défi. 3 victoires. N'hésitez pas à vous abonner les frères pour ne rien louper sur tous les trucs objectifs qu'il y a tout au long de l'année. Voilà, chaque fois qu'il y a un défi, une carte, je présente le truc du coup. Donc premier défi, c'est 3 victoires. Donc il va falloir faire 3 victoires tout simplement pour remporter du coup. Alors attendez. Remporter 3 matchs amicaux Foot Live Coupe Brésil Futis. Donc il y a un mode de jeu qui s'appelle Coupe Brésil Futis dans les matchs amicaux avec 11 joueurs brésiliens. Donc il va falloir faire une équipe 100% brésilienne parmi les titulaires. Hein. Donc le banc, ça peut être. Pour le moment, le banc, on peut mettre d'autres cartes, mais on verra bien. D'autres nationalités, mais on verra bien dans le défi, voir s'ils nous demandent 18 brésiliens. Voilà. Donc là, 11 titulaires que des brésiliens. Vous remportez 3 matchs avec ces 11 brésiliens. Et vous gagnez un player pick 84 plus sur 3 joueurs. Voilà, tout simplement. Donc vous remportez vos 3 matchs avec 11 joueurs brésiliens. Vous remportez ce pack là. Et voilà. Nickel pour 3 victoires. Maintenant, vous allez à 6 victoires. Vous faites 6 victoires. Donc dès que vous êtes à 6 victoires, vos 3 victoires sont déjà enregistrées. Vous allez faire 3 victoires de plus pour aller à 6 victoires, logiquement. Toujours la même équipe, toujours la même équipe brésilienne, toujours pareil. Vous allez faire 6 victoires, du coup 3 victoires de plus et vous allez gagner la même récompense. Un player pick 84 plus sur 3 joueurs. Tout simplement, la même récompense avec 3 victoires de plus. Ensuite, 4 victoires de plus, donc vous allez à 10 victoires. Toujours la même équipe, 11 brésiliens, toujours le même mode de jeu. Vous remportez un player pick 85 plus sur 4 joueurs. Voilà, un player pick 85 plus sur 4 joueurs. Or quoi, tout simplement, ça peut être des cas spéciaux, mais c'est un 85 plus. Tout simplement, c'est un player pick 4 joueurs de 85 plus. Et ça pour 10 victoires. Ensuite, 14 victoires, donc vous allez faire 4 victoires de plus que 10 victoires. Du coup, je vous répète, c'est toujours enregistré ça. Vous n'allez pas faire 14 victoires, vous allez faire 4 victoires de plus. Toujours la même équipe, le même 11 brésilien, le même mode de jeu. Vous allez remporter un player pick 85 plus sur 4 joueurs, le même pack que celui-là. Voilà, vous allez à 18 victoires. Toujours la même équipe, toujours le même mode de jeu. Vous allez gagner un pack renfort TOTS AFIAE 92+. Métamorphosé TOTS AFIAE 92+, excusez-moi. Donc dans ce pack, il y aura soit un métamorphose, soit un TOTS à 92+. Et le TOTS, ça sera les 5 plus grands championnats majeurs, tout simplement. Donc ça peut être pas mal. Hein. 22 victoires maintenant, toujours le même mode de jeu, toujours la même équipe, 11 brésiliens. Vous remportez un pack 5 joueurs 85+. Donc ça peut être vraiment pas mal avec toutes les cartes qu'il y a à paquet. Voilà. Maintenant 27 victoires, donc ça fait vraiment pas mal. Hein. Honnêtement, ça fait vraiment pas mal. Toujours le même 11 de départ, le 11 brésilien, toujours le même mode de jeu. Là, vous gagnez à 27 victoires. Un player pick, un des 3, un player pick sur 3 joueurs métamorphosé. Ou TOTS, ou alors héros métamorphosé 92+. Donc voilà, vous avez les métamorphosés comme Grealish, tout ça. Vous avez les héros métamorphosés comme Abedi Pelé, Ginola, tout ça. Ou alors un TOTS à 92+. Voilà, c'est un player pick sur 3 joueurs. Et c'est le dernier défi, voilà, c'est les 27 victoires. Et dès que vous avez remporté tous ces défis, vous avez ce player pick là. Et ce player pick là, les frères, c'est métamorphosé sur 4 choix. Pas sur 3, mais sur 4 choix. TOTS 92+, métamorphosé 92+, ou alors héros métamorphosé 92+, tout simplement. Donc vous avez fait 27 victoires, après vous êtes bien parce que vous avez du coup 2 player picks, et ça c'est vraiment pas mal. Donc voilà, on va aller voir le défi ensemble parce qu'il y a des restrictions sûrement, hein. On vous dit de jouer que avec des titulaires brésiliens et sur le banc potentiellement mettre des autres cartes, mais moi je pense que on va vous demander 18 joueurs brésiliens honnêtement. Donc jeu en ligne, vous allez dans Coupe Brésil Futis. Et ah non, ça va les frères. Joueur de prêt maximum 1, joueur Brésil exactement 11. Donc sur le banc, je pense que vous pouvez mettre d'autres cartes, d'autres nationalités tout simplement. Donc si vous avez 11 joueurs brésiliens, je pense que vous pouvez mettre par exemple Ronaldo sur le banc, Mbappé et les faire rentrer en cours de jeu. Je pense. Hein. Et c'est même sûr parce que c'est écrit ça, donc si c'est écrit ça, c'est qu'on peut le faire. Et vous allez mettre, si vous voulez mettre joueur de prêt, c'est maximum 1, sinon vous n'êtes pas obligé. Voilà. Et les règles du match, ouais, sont classiques. Vous devez faire le match complet. C'est pas le premier qui marque gagne. Donc du coup, vous avez remarqué, vous avez 5 matchs par jour. Donc 5 matchs toutes les 24 heures. Donc là, il me restait 23h16 pour me faire mes 5 matchs. Dès que ce temps sera expiré et qu'il me reste 0 match par exemple, demain, on est vendredi.
vendredi 22 juillet, samedi 23 juillet, j'aurai encore 5 matchs. Voilà. Si là il me reste 5 matchs, j'ai pas joué mes 5 matchs et que on est le jour prochain, j'aurai toujours 5 matchs. Voilà, j'aurai pas 10 matchs. Hein. Donc il faut pas rater 2 jours. Et en plus de ça, on vous demande de faire 27 victoires. Donc 5, 10, 15, 20, 25. Vous avez 6 jours. 6 jours sur 7 pour faire les 27 matchs. Donc il va falloir vraiment être chaud, honnêtement. Vous avez. Ouais, vous avez. Et ouais. Ouais, c'est vrai les frères. Vous avez 6 jours sur 7. Donc vous avez. Vous pouvez vous tromper sur 5, 3, 5, 6. Vous pouvez faire 8 erreurs. Voilà, 8 défaites pour tout remporter. Vous n'avez pas le droit à plus de 8 défaites. Tout simplement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu les frères. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que vous aurez bien compris le petit défi. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les gars.